Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous entrons pour une nouvelle vidéo sur Ratchet & Clank Rift Apart et il est temps de continuer où nous en étions laissés. Même si j'ai pas pu continuer la raid, il y a un bug qui m'empêche littéralement de continuer et ça c'est relativement ennuyant. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like et également la cloche de notification, il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Bonjour Dimension. Je sais que j'ai été absent pendant... vous savez combien de temps. Alors il faut qu'on rattrape le temps perdu. Vous devez vous demander ce que je faisais. Oh, j'ai parlé avec mes fans si dévoués. Admiré mon superbe décor. Et découvert qu'il y avait deux, oui, deux Lombax insolents en cavale qui cherchaient à tout dévaster. Donc... j'offre une prime de 3 flubillions de bons de liberté Nefarius à quiconque me ramènera ces devoriens à fourrure, morts ou vifs, mais vifs de préférence, que je puisse d'abord m'amuser un peu avec. Mon formidable réseau d'espions affirme qu'ils seront très bientôt sur Blizzard et sa vallée. Alors au travail maintenant. Et si ces deux Lombax m'écoutent, sachez que je compte bien vous réduire en cendres et qu'ensuite, je jetterai vos cendres sur un soleil et qu'ensuite, je jetterai ce soleil dans... Super. L'autre Nefarius m'a ajouté à sa liste. Et il sait quelle est notre destination. Oh, non. Donc, on peut d'abord aider sur Sargasso. Je t'ai pas oublié, Trudy. Bien vu, on a une petite quête annexe à faire de ce côté-là. On va voir ce qu'on nous demande pour voir s'il y a un intérêt de le faire en vidéo ou pas. À voir. Un problème avec Trudy ? Ah, salut Rivette ! Elle est juste en manque de surpierre. D'habitude, elle en trouve sur les îles Rocheuses, là-bas. Mais elle doit être trop fatiguée pour voler aujourd'hui. Oh, t'as encore fait la fête hier. T'inquiète, je m'en charge. Ah, t'es un amour. Trudy et moi, on va rester ici en t'attendant. J'ai une idée. Quand Rivette aura rapporté des surpierres, je les sauve. Qu'est-ce que tu en dis ? Une surpierre ! C'est pile ce qu'il faut à Trudy. Surpierre. Allez, on prend tout ça. Tu as réussi, Rivette. Voilà bien assez de surpierre pour redonner la pêche à notre cher Trudy. Oh, j'en ai loupé une, c'est pas grave. Retourne faire un saut à l'usine de gélatonium. Qu'on puisse te remercier comme il se doit. Trudy. Oh, Trudy, regarde. Rivette t'a ramené des surpierres. Je vais te dire, si jamais tu nous en apportes d'autres, je suis prêt à te les échanger contre ces bottes de ranger là derrière. Je vais indiquer sur ta carte l'emplacement de toutes les urpières du coin, au cas où ça t'intéresserait. Si tu souhaites t'y mettre maintenant, ce scarabide nous sera d'une aide précieuse. Tu te sens mieux, Trudy ? Allez, ne t'en fais pas. Ah ouais ! Quand même ! Te donner tellement de surpierres qu'il faudra bientôt t'appeler Zurpi. Les Gringors adorent faire leurs besoins dessus. Et voilà, donc j'ai terminé de récupérer l'ensemble des pierres. Ça va avoir quand même un peu de temps. D'ailleurs, au début, on est avec un scarabée là, où je sais pas le truc. Je ne l'avais pas vu excité à ce point depuis la fois où vous vous êtes incrusté à la soirée jeu du Grand Morc. À partir de 30, on récupère les fameuses bottes. Pièces d'armure qu'on peut placer ou pas, comme on veut. Et on peut utiliser Mistagate pour commencer à voler. Et à partir de 45, elle peut cracher du feu pour tout ce qui n'est pas récupérable. Donc ça va, au moins vous avez l'info. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas à regarder les replays. Et nous, on continue. Bon, c'est pas... Si ouais, mais ça, je voudrais bien, mais...
c'est bloqué. Ça, c'est avec Ratchet, ça, c'est avec... bah, c'est avec Quartz Phasique, nous Quartz Phasique. On va continuer avec Rivet. Et Ratchet. Et Clank. Rivet et Clank. Sur Sargasso, tu disais avoir donné le dimensionnateur à Ratchet pour qu'il puisse trouver les autres Lombax. J'aurais jamais cru en rencontrer un autre. Encore moins retourner chez moi, si on peut dire les choses comme ça. Tu crois vraiment que c'est possible? Non. Non? Non! Eh, c'est... les Arwan, mine de blison. Bah, maintenant, c'est compromis. Bah bon, on va sûrement trouver LE dernier quartz phasique. Peut-être. Peut-être pas. C'est bizarre un vaisseau avec un pied. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'en suis pas très sûr. Quelle sensation exaltante! Ce cristal est une substance appelée blison. Donne-lui un coup de marteau. Oui, le chargement est super. Le blison semble avoir absorbé l'énergie des failles dimensionnelles. Waouh! Une autre dimension. C'est la tienne, tu crois? Non, mais nous y trouverons du quartz phasique intact. Ah. Partons à la recherche des mineurs. Oh, cela ne me dit rien qui vaille. Je crois qu'on ferait mieux de se concentrer sur les crabes toxiques d'abord. Quoi ça? Une secousse sismique, peut-être causée par l'effondrement des frontières entre les dimensions. Donc, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Endommagé. Procédure de verrouillage active. Il faut qu'on passe de l'autre côté de cette fenêtre pour actionner le déverrouillage. Encore un truc dimensionnel? Oui, la situation est de plus en plus instable. Cela explique pourquoi la mine est désertée. Par contre, ce passage dans les dimensions, c'est cool. C'est vrai, le point moins cool, c'est pour la dimension en elle-même d'avoir des petits problèmes. Des problèmes. Tu vas le punir comme ça. Hein? Tu pilles d'univers à la noix. Plus de boulot, plus de quartz physique, plus de planète. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mon âme? Vas-y, prends-la! Pour info, je viens de découvrir qu'il y a une autre dimension où Blizzard est encore intact, alors... Encore intact? Mais comment? Mais oui! Le blison! Si la planète n'a pas encore été détruite! Qui c'était? Est-ce que tu sais de quoi elle parlait? C'est certainement une survivante de ce qui s'est passé ici. Bon, il nous faut un autre cristal de blison. Oh, classe. Ça, tout ça, je peux l'oublier, excepté quand il y a des petits trucs comme ça. Et encore, si c'est pour pas récupérer, si ça va servir. Ingénieur dans la dimension intacte. Je l'ai trouvé. Ils doivent savoir. Elle envoie ce message dans l'espoir que quelqu'un l'entende. Nous y réfléchirons après avoir récupéré le quartz phasique. Ok. Particulier. Hein. C'est fun, mais particulier quand même. Voyage dans l'espace, voyage dans les dimensions, technologie... j'adore ce Ratchet.
De manière globale, j'ai vraiment apprécié quasiment tous les Ratchet & Clank. Hein. Et A Crack in Time avec le voyage dans le temps et celui-ci dans les voyages dimensionnels, j'aime bien, franchement. Une secousse sismique a détruit le pont. Je suppose qu'on va devoir faire le tour. Indeed. On est là au bout, hein. Comment je peux grimper? Non, comme ça, non, non, non. Ouch! Oui, je m'en doute. Ah non. Il n'en veut pas. Comme ça, peut-être. À ton avis, c'était qui cette personne dans ma dimension? L'inconnu? Oh, bon. Je n'ai rencontré personne comme elle sur Blizzard dans ma dimension. Là, il y a un truc qui nous bloque. Hop, petit bouton d'or. Voilà qui étoffera notre collection. De base, je ne cherche pas nécessairement à avoir les boulons d'or, mais bon, s'ils viennent à moi, je vais pas dire non non plus. Hein. J'adore le... sont peut-être forts, mais certainement pas autant que nous. Voilà. J'adore les électrocutés. Est-ce que c'est mon côté sadique? Je ne sais pas. Boulon. J'ai pas vraiment l'habitude. Nous devons trouver un moyen d'extraire le quartz phasique. La foreuse géante, peut-être? Trouvons quelqu'un qui nous aidera à y accéder. Ah, voici le centre d'exploitation. Quelqu'un ici pourrait nous orienter vers la foreuse? Le poste de contrôle de l'ingénieur en chef devrait être tout près. Je parie que t'es incollable sur les mines. En effet. Par exemple, sache qu'un mineur passe en moyenne 72% de sa vie sous terre. Oh, c'est vrai? Non, mais je voulais satisfaire ta soif d'anecdote. Ça aurait été marrant si c'était vrai, n'empêche. Ces gens ont l'air tout aussi déroutés que nous. Marrant. Séisme, verrouillage, failles interdimensionnelles. Je peux les comprendre, mais on a besoin d'une foreuse. Dépêchons-nous!
Ce qui est arrivé sur Blizzard dans ma dimension pourrait se produire ici. Oh ! Merci d'avoir choisi Madame Turco. Ok, on va juste terminer ces deux-là. Voilà. Cocher cet effet, exécuteur peut-être ? Ou bomba dispersion ? Ouais, va pour l'exécuteur. L'exécuteur, c'est le... Bon, va dispersion, bomba dispersion. La bombe disperse... Ah, dispersion se déplace beaucoup plus vite dans les airs. La zone d'effet. Oui, la zone d'effet, on en veut ça. Et ça, ça augmente la quantité de munitions occupées de la caisse de 2, ok. J'espère te revoir très bientôt. C'est où qu'on devait aller? Ah ouais, tout à gauche. Alors, il y a quelque chose à gauche, mais quelque chose à droite aussi. Alors, à droite, c'est la quête, à gauche, je crois que nous approchons du poste de contrôle. Ah. Les décorations sont légèrement plus colorées que dans ma dimension. Boulon, concentre-toi. Oh, toutes mes excuses. Merci. L'effondrement dimensionnel semble s'accélérer. C'est tout joli. Mortellement, effroyablement joli. Ça, c'est quoi ça? Trouver le chemin. Ah, c'est une quête annexe, ok, ça va. Tiens, ça doit être l'ingénieur en chef. Mais bon, vu qu'on est en. Dans une dimension et je ne sais pas si on pourra refaire ça après. Peut-être que si, mais bon, il faudrait repasser peut-être toutes les dimensions et tout ça. On va peut-être le faire maintenant. Ah, il y a Christo quelque part. Sur Blizzard, la planète est actuellement verrouillée en raison du chaos interdimensionnel qui s'aggrave de seconde en seconde. Passez une envoyant la journée. Voilà. Deux en plus, c'est toujours ça de pris. Sauf quand il a tort. Pour l'instant, c'est. Ah oui, c'est. Après, on pourra mettre notre. Okay. Notre marteau, ou je sais pas quoi. Ou notre clé si à un moment donné on doit venir avec Ratchet. Comment on dit pas avec les murs invisibles, s'il te plaît. C'est relou. Le cuisinier. Excusez-moi, si vous allez par là, ça vous embêterait pas de chercher le chef Tullio? Ça fait à peu près une heure qu'elle aurait dû revenir avec les ingrédients. Elle est peut-être blessée. Pas de problème, j'ouvrirai l'œil. Merci, c'est gentil. C'est une rue de jour. Je crois que je capte un message radio. Oula! Avec la fourrure et les oreilles. Dites-moi donc, que diriez-vous de participer à la création du nouveau plat du siècle? Ne répondez pas à cette question. Contentez-vous de grimper à la crête de cristal qu'on puisse commencer. Le chef Tullio, je présume? Elle n'a pas l'air blessée. Je me demande ce qui l'empêche de rejoindre les lignes. Ah, okay. D'invisibilité autocam. La classe. Ok.
totalement de mémoire sur le dernier, même si c'était un petit truc, hein, d'accord. Une armure. Ranger Galactique. Maintenant qu'on l'a fait, ça reste visible. Parfait. Et là, ce qu'on veut, c'est... On appelle, pénètre dans la caverne de Frelon. Le logo. Ok. Et comment peut-on franchir le logo? Comme ça. Ok. Sûr que cette grotte nous mènera à la crête de cristal. À la crête de cristal? Vous aussi, vous avez entendu l'appel de la vie culinaire. Vous devriez trouver des géosauteurs dans les parages pour vous aider à monter. Chef-d'œuvre. Okay. Pour préparer ma recette ultime, je dois récolter le miel syringien juste en dessous, avec 7 aspidomiles. Mais cela me demande une extrême concentration. J'ai donc besoin de quelqu'un pour me défendre contre ces réfractaires à l'art culinaire. Si vous souhaitez entrer dans l'histoire de la gastronomie, actionnez ce levier pour commencer la procédure d'extraction. Alors, quel est le menu? À vrai dire, je... Oh là, c'est pas trop, mais ça ne va pas tarder. Ah. Je vois-tu le premier saison par après ça? Globalement, toute cette partie-ci a été découverte. Ah, il reste un cristal que j'ai pas pris. Faudrait que j'essaye d'y aller après. Il faut que la machine chauffe quelques instants avant d'être utilisée. Alors faites donc le guet pendant ce temps-là. Ah, les voilà qui arrivent. Par la gauche. Appuyez sur le bouton de ce côté-ci pour activer mon piège. Extraordinaire! Je ne supporte pas l'odeur des pesticides, alors j'ai eu une brillante idée. Un petit retour aux sources, avec un barbecue! Ah! En voilà, par la droite! Vite, activez le piège à droite, avant qu'il n'endommage la speedomile et qu'il n'effraie ma mule! Délicieux! Les pièges protègent la speedomile, mais ils mettent quelques instants à se réinitialiser. Il ne faudrait pas qu'ils surchauffent, pas vrai? Et voilà ce qui ouvrira le menu, ou comme on dit dans le monde de la cuisine, la mise en bouche. À présent, préparez-vous pour le plat principal! Et c'est parti! Les voilà!
germer quelque part une fricassée glacée au miel de poisson globe. Quelle boisson associée à un tel plat? Il me faut plus d'inspiration et plus de miel. Allez, pense à tous ces mineurs affamés, Rivette. Il faut les aider. Deux ennemis avec une seule attaque de ricochet. Le miel commence à tourner. Vous les empêchez de s'attaquer à la suite de mille. Magnifique. Oui, oui, oui. Sera de l'hydromel surpifié au magma. Mais attention, ces mineurs ont bien mérité un dessert aussi. Ce qui signifie qu'il va falloir souffrir une dernière fois que l'extraction finale commence. Vous n'avez rien fait. Je vous remercie pour votre aide. J'espère que cela vous inspirera dans votre propre domaine artistique. C'est quoi ce bug? Je suis contente que les mineurs puissent enfin se remplir l'estomac. Bon, comment je fais pour les rejoindre? Bon, après, je dois repartir quand même. Ce sécurité taxi devrait faire l'affaire. Ok, ça va. En parlant de nourriture, Boulon, je me demandais qui cuisinait le mieux, toi ou Ratchet? Oh, il n'y a pas de compétition. Et toi, pas vrai? Il y a beaucoup de chance. C'est sûr. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, maintenant on va aller faire lui. Prends ton temps, chouchou. Je vais faire ça, quasi munitions, voilà. Splendide amélioration.
toujours ça de prix, entre guillemets. Voilà, et donc maintenant on doit aller... Je crois que nous approchons du poste de contrôle. Les décorations sont légèrement plus colorées que dans ma dimension. Boulon, concentre-toi. Oh, toutes mes excuses. L'effondrement dimensionnel semble s'accélérer. C'est tout joli. Mortellement, effroyablement joli. Non mais non, c'est joli, c'est joli. J'aime bien le petit passage. Après... un passage contrôlé serait bien plus intéressant, mais bon, ça c'est autre chose. Ça doit être l'ingénieur en chef. Bonjour. Vous entendez ça? Non. Des voix. Ça fait pas très longtemps que je les entends, mais à chaque fois c'est au même endroit que ces trucs violets. D'abord les séismes, le blison, et maintenant ça. J'entends rien du tout. Sauf quelqu'un qui vous demande si vous allez bientôt extraire du quartz phasique. Pas tant que ce mystère n'aura pas été résolu. Si ça se trouve, tout le site de forage est hanté. C'est pourquoi j'ai envoyé mes robots scientifiques scanner ces choses violettes. Et alors? Il faut que j'aille les récupérer. Quand il n'y aura plus de danger. C'est pour nous. Pourquoi attendre? Je vais trouver les robots et les ramener ici sains et sans. Ces robots ont intercepté un message de ta dimension, peut-être envoyé par la personne que nous avons rencontrée. Ils nous aideront peut-être à comprendre ce qui s'est passé là-bas et à éviter que ça se produise ici. On y va. Ok. Et donc nous, on doit aller... par là. On est là. Bien essayé. Ah mais il y a l'autre passage aussi. Ah, en plus c'est du cristal. Hop. Merci pour les cristaux. Mes armes vous remercient également. Et ensuite... ah, et là pour l'instant c'est pas possible. On n'est pas assez loin. Il n'y a pas de... tout que je pourrais emprunter. Ok, ça. Shit. Quoi attendre? Je vais trouver les robots et les ramener ici sains et saufs. Ces robots ont intercepté un message de ta dimension, peut-être envoyé par la personne que nous avons rencontrée. Ils nous aideront peut-être à comprendre ce qui s'est passé là-bas et à éviter que ça se produise ici. On y va. Test radio, test. Les robots ont dû suivre les chemins balisés. Je suis sûre qu'ils écoutent ce qui provient de ces choses violettes. Les secousses sont de plus en plus fortes et fréquentes. Je t'ai trop demandé de trouver du quartz phasique sans devoir survivre à des séismes et à de la lave. Regardez! Un de mes robots est là-haut. Ah, hop, double. Ah non, triple. J'avais pas vu qu'il y avait un troisième derrière. Ah, des robots là. Évidemment. Salutations. Nous courons un très grave danger. Suivez-moi, vite. Ok. Suivez-moi. Oh non, quelle catastrophe! Dépêchez-vous, l'odeur du poil brûlé est horrible! L'odeur du poil brûlé est horrible! Oh là là! Rester sur
j'ai plus que 18 points de vie, il faut que je fasse un damage chiant. Petit chargement, s'il te plaît. Merci. C'est justement la partie que je me demandais comment elle est. Je vais lui envoyer un signal pour qu'elle revienne. Je vois qu'elle a intercepté un fichier audio. Je le décoderai au plus vite. Il y a un ancien labo un peu plus loin. Connaissant Jim, c'est là qu'il a dû se rendre en premier. Jim ? Ah, je vois, un autre robot. Compris. Ok, et tant qu'il y a ça, je pourrais pas faire un truc, ça va. Ouais. Non plus. Arrêtez, écoutez. C'est endommagé. Il détruira. Ne prenez surtout pas ce risque. Peut-être qu'elle fait référence au protocole de sécurité. J'y suis moi-même assez réfractaire. Il peut s'agir de n'importe quoi. Hop. Allez. Notification, maximum hostile. Bonjour, êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? Non. Tu devrais plutôt rejoindre l'ingénieur en chef. Demande d'amitié? Refusé. Oui, de tristesse. Retour à l'ingénieur en chef. Oh. Tout doux, Jim. J'espère qu'il a bien intercepté des messages interdimensionnels et qu'il n'a pas passé son temps à chercher des amis. Identification, entité hostile. Bonjour, êtes-vous mon nouveau meilleur ami? Ah là 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 là. Ce passage pourrait être cool si on n'avait pas la problématique du chargement. Un peu long quand même. Sacrément long quand même. Est-ce que tu soupçonnes tous les gens que tu rencontres de travailler pour l'empereur Nefarious? Presque tous ceux que je rencontre sont des agents de l'empereur Nefarious. Ah, tu marques un point. Combat juste à côté de moi. Les plateformes de forage, ou du moins ce qu'il en reste. Je suis prête à parier qu'il y a des failles dans le monde. Vous trouverez forcément les robots. Je laisse combattre là. Let's go.
Tiens, regarde. Le robot est bien sur la plateforme. Là, à droite, juste après le pont détruit. Comment pouvons-nous le rejoindre? Oh, la grue a déplacé le cristal. Voilà qui pourrait nous être utile pour atteindre notre robot. Peut-être, on va vérifier. À vérifier. Je l'ai déjà dépassé parce que je me doute qu'il faut que si je le fais pas, je vais voir. Voilà. Si je le fais pas, j'aurais dû faire l'aller-retour. Notre record sans accident. J'ouvre avant la retraite. Activation. À se chercher une personnalité. Merci. On aura bientôt reconstitué tout le message. Et le compte est bon. Merci. Vous n'avez qu'à me rejoindre au poste de contrôle. On va voir ce que mes petits robots ont réussi à rapporter de l'autre côté. Et là, on a quasiment tout fait. Il manque juste ces petites îles, là. Ok. Justement un cristal en plus. Alerte de proximité. Forme de vie dangereuse détectée. Procédure de verrouillage du site activée. Pas de panique. C'est moi qui ai conçu ce système de sécurité. Sauf que les détecteurs de mouvement indiquent que les intrus sont dans la maison. Dans la pièce. Oh, mais quel nul! Le plafond! J'oublie toujours de lever les yeux. Oh. Colosse venu d'ailleurs. Localisation inconnue. Forme de vie inconnue. Protocole détruit. Un petit cadeau en provenance de ma dimension. Je vais me faire un plaisir de le réduire en bougie. Nous sommes en flagrante infériorité numérique. Livraison spéciale de l'Empereur. Parfait. Et passez une flamboyante journée sur Blizzard. C'est juste. Oh, avec ça, il va me falloir un peu plus de temps pour déchiffrer le message. Mais vous pouvez quand même vous servir de la foreuse. J'y
machine vous y conduira. On s'est assez éclaté pour aujourd'hui. Voilà. Non. Voilà, oui. Ah, il y a... Allez, une pièce d'équipement aussi. Je suis désolée que Ratchet et toi soyez séparés. Ah, j'aurais dû prévoir que tout cela finirait mal. Le dimensionnateur est trop puissant pour être exposé aux yeux du monde. Le rouge c'est normal, c'est ce qui me reste de points de vie. Ouais. Et pas du... Ah c'est là. Sauvegarder. Bonjour, êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? D'accord. Oui, de bonne heure. En gage d'amitié, je vous conduis à la foreuse dédiée à l'extraction de quartz phasique. Oh, je sens mal. Cette anomalie dimensionnelle est identique à celle que nous avons vue sur Sargasso. Cool, ça veut dire que tu peux t'en charger? En qualité de meilleur ami, je vous informe que l'intégrité dimensionnelle a pu affecter la foreuse. Comment ça? En ma qualité de meilleur ami, je ne souhaite pas vous alarmer, aussi je n'en dirai pas davantage. À la place, interlude musical. Personne n'utilisera la foreuse tant que le système de lubrification sera bouché. Que diriez-vous d'aller au karaoké ensuite? Aimez-vous le karaoké? Si vous n'aimez pas, je n'aime pas non plus. Prêt à résoudre un autre problème dimensionnel? Je m'en occupe. C'est ainsi que nos chemins se séparent, mais nos âmes resteront à jamais liées. Au revoir, meilleur ami. Au revoir, Jim. Ce petit gars va me manquer. Étrangement, à moi aussi. Et nous ferons ceci lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.